Salut à tous, c'est Guto. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une prod du genre Joey doit filer. Vous allez voir ça. Bref, vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification. On va commencer tout de suite avec la vidéo. Voilà, là, on a déjà un projet. Je vais vous montrer les instruments que j'ai utilisés. Ensuite, comment j'ai réalisé tout ça. Vous allez voir ça dans cette vidéo. D'abord, on a utilisé un son de Nexus. Là, c'est un son d'Apergios, Voix AR Viral Infection 2. Pour les accords, on a ça. Ensuite, on a utilisé un autre son de Nexus. C'est un son d'Apergios aussi, la voix AR cristalline. C'est vraiment doux ce son. Pour les notes, on a ça. Ensuite, on a utilisé un son de guitare. Voilà, c'est dans mon pack de bass Compass Aron. Vous voyez, guitare d'eau, il y a pas mal de trucs. Alors, si vous voulez acheter mon pack, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est un très bon pack. Il y a pas mal de trucs dedans. Pour les notes, on a ça. Du coup, on a dupliqué ça, etc. Ensuite, on a utilisé un autre son de guitare. C'est dans mon pack aussi. Du coup, on a ajouté un son de kick. Vous savez déjà comment placer les kicks. Ensuite, on a utilisé un son de shaker. Voilà, on va jouer ça à contre-temps. Ensuite, on a utilisé un son de cymbale. Ensuite, on a utilisé un son de cymbale rallye à contre-temps. Ensuite, on a utilisé un son de temps. Ensuite, on a utilisé un son de snare rim. Ensuite, on a ajouté un son de pad sur le Purity. Vous devez cliquer sur preset et là, vous voyez JM normal, one pad.
Ensuite, on a ajouté notre basse. C'est un whiz bass. Ensuite, on a ajouté un autre son de Purity. Voilà, c'est un son de Karimba. Tout simplement ça, les amis. Ensuite, on a ajouté un son de Will Street. Guitare. Ensuite, on a utilisé un son de conga. Ensuite, on a utilisé un son de Purity, vraiment doux. Voyez ces belles leads. Vous devez cliquer sur Preset et là, vous voyez Lead Sense. Et là, vous devez cliquer sur Belle Lead. Du coup, c'est ça. Ensuite, on a ajouté notre son des leads. Du coup, on a fait quelques arrangements au niveau du projet. Là, vous voyez intro, verse, et on a ajouté voilà, quelques briques. Et un son de crash. Du coup, je vais vous laisser écouter ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bon ou pas, si c'est chaud, les amis. Guito on the beat.
Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et de commenter la vidéo. Merci à vous les amis d'avoir regardé la vidéo. On va retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Bye!